Haïti, pays de zombification. Est-ce qu'on entend ça me dire? Haïti, pays de zombification. Jodi an la dans émission an, nous pral chita sous concept zombification. Jodi mardi 21 février 2023, c'est dernier jour gras, dernier jour carnaval. L'État saute prend décision là pour faire carnaval. Yo pas faire carnaval national, mais chaque ville qui décide de faire carnaval yo, 100 millions de gouttes débloqués, l'argent à joindre ville yo, l'argent à joindre municipalité yo pour organiser carnaval. Qu'on bagay qui attire attention. Mairie Port-au-Prince décide yo même yon fait carnaval yo 10h du matin, rive 6h de l'après-midi. Et qui ça yo bay comme raison, comme motif qui fait carnaval pas commencer à partir de 1h pour X du matin? C'est insécurité avec blackout. Insécurité avec blackout. Déjà là, nous ka considérer que l'État montre faiblesse yo. Et yo accepter faiblesse yo. Mais nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme moun qui reme plaisir, qui soif plaisir comme bamboche, m'a gardé pendant 3 jours grâce à eux sous champ masse. Quantité haïtien qui défile sous champ masse en bas soleil là pour yo venir akor yo, pour yo venir prendre plaisir, pour yo venir mettre gouya daté. Yo soif carnaval, yo soif plaisir, yo soif bamboche. Et pourtant, hier, bon place constitution, on jeune garçon perdu la ville, pendant le vini à l'école dans carnaval, yo tiril. Insécurité. Donc, malgré les dispositions qui prend, grand la journée pour faire carnaval, insécurité frappe carnaval là. Gen l'autre ville, Anamèt décide de faire carnaval, Jacmel te fait carnaval, Cap-Haïtien. Moi-même, j'ai décidé de faire un petit coup de pied pour me regarder comment l'activité est organisée, comment l'autorité est défilée, est-ce que vous assumez responsabilité, est-ce que vous faites un bagage qui est différent de Port-au-Prince, etc. Déjà, avant même de dire, je suis obligé de couper bien bas devant Capwa chéri. Je connais Capwa, je connais Mouno Cap. En pile là, c'est moun qui vraiment cunier. Ou pas dire n'importe bagaille de moun au cap. Ou pas dire n'importe bagaille sur moun au cap. Mais vraiment désolé, ça me bral dire, li pas général, même obligé d'il. Au cap son bel côté, son ville paisible, belle petite ville, bon bagaille. Mais malheureusement, nous gon paquet autorité sans koucha, nous gon paquet autorité salope dans ville là. Qui pas réglé yon merde, qui seulement contente yo à jouer privilège, qui seulement contente yo à pour les gros machines, paquet cortège, paquet sirène, ouin dans oreille moun toute journée, mais yo pas en mesure pour yo porter solution à problème ville la gagné. Port-au-Prince pas fait carnaval l'ennui pour insécurité avec blackout. Qui différent de au cap, yo même yo prend décision, y a fait carnaval yo, normalement je ça fait toujours qu'on fait. Mais au moins Port-au-Prince gen décence, yo admettre, yo accepter faillite yo, yo accepter incompétence yo, échec yo. Au cap haïtien, y a fait carnaval dans blackout. Et moun au cap, malgré tout ça dans me dit sous autorité yo, mais population moun au cap au moins yo fait preuve de bonne foi. Malgré pas que carnaval a fait dans blackout nan fait noir tout monde a pied à corps nan fait noir m'bral montre tout à l'heure pral ouais m'pa parler son bagay image pour ouais pour justifier ça m'a dit malgré c'est dans blackout oui mais moun yo au moins yo décidé yo pas faire violence yo décidé yo pas utiliser zam sous frère yo sous sœur yo yo décidé yo pas venir faire violence etc. Même gens ça passé dans Port-au-Prince côté moun a perdu la vie au grand la journée pendant elle participer dans carnaval. Mais au moins nous accepter pour nous faire carnaval pour organiser carnaval. Au moins gagne un minimum de décence pour nous respecter moun dans ville pour nous respecter population pour nous dire au moins même le nous pas ka gètan bay courant 24/24 mais n'a prend disposition pour nous mettre et gagne poteau lumière gagne lampadaire etc. Mettez pour clairer pour carnaval là. Et autant de gros directeurs EDH, gros institutions dans la ville qui relèvent EDH, bon, qui raison d'être là? Qui raison d'être là? Qui ça la fait dans la ville là? Si même carnaval mairie organisé, nous pas kabay courant pour souprendre au carnaval là. Nous pas de nécessité pour nous continuer après les têtes, nous responsables, directeurs, autorités, nous en ville, côté que nous pas assumer responsabilité, non. Et moi-même, qui ça me attend? Je t'attends que le t'es dans Port-au-Prince, que le t'es Cap-Haïtien, que le t'es dans Anamèt, que le t'es Jacmel. Je t'attends que, au moins, peuple haïtien t'a pris conscience que, carnaval, 3 jours plaisir, 3 jours bamboche, 3 jours yaya de corps, li pa ka effacer problème structurel, crise endémique pays, li pa ka retirer insécurité, li pa ka retirer crise politique, li pa ka retirer instabilité, li pa ka retirer kidnapping, li pa ka retirer stress quotidien à vivre en dedans société. Nous finissons par accepter que l'autorité a zombifié nous. Nous finissons par accepter incompétence, nous valons. Nous finissons par accepter échec, nous boel, nous finissons par accepter faillite, nous tolérer, nous accepter, mais yo même yo continuer à bénéficier l'argent, y a faire, y a jouer un avantage, y a tirer profit, y a à l'aise, y a quoi yo sous don nous, sous misère nous, mais au moins artiste yo journée jodi qui décide OK c'est artiste ou vivre de musique ou vivre de affaires, de culture, là, etc. Mais on nous sérieux. Majorité artistes qui sont sous parc au carnaval, c'est des influenceurs. Moi-même, t'attends, même le peut-être 3 jours carnaval, là, t'es bon jour au moins, et qui t'es peut-être qu'à réussir, mais fuck population, fuck artistes, fuck influenceurs, moun qui t'es sous parc ou DJ, fuck au moins. Faut au moins t'as sensibiliser population pour yo dire Ariel te pays comme premier ministre, lycée chef CSPN, faut yo t'a prendre disposition pour yo ba nous sécurité. Faut que t'aies des messages comme ça qui t'a lancé, qui t'a véhiculé pour haïtien qu'on est li pas bête, bandi pas cap traquer, bandi pas cap poursuivre li, bandi pas cap kidnapper, li pas cap circuler dans pays. Alors que même artiste ça sous tête ça, cap ya koyo, même artiste ça sous tête ça, cap dit demain en l'air à gauche à droite là, même yo pas exempt de insécurité. Yo pas exempt de insécurité. Même le bandi peut-être te ka et bon respect, bandi te ka peut-être pas kidnapper etc. mais ou pas qu'on est qui l'ont massacre éclaté, ou pas qu'on est qui l'ont fusillade éclaté, ou pas qu'on est contre green ball marron à sorti, pas qu'on moun en Haïti qui est exempt de insécurité. Mais contre conscience, mon cher, moi-même, moi haïtien pas prendre tête lui au sérieux. Haïtien, en plein nous pas prendre Haïti au sérieux. Si nous pas prendre pays au sérieux, pas quoi c'est international là pour nous au sérieux. Si nous pas prendre tête nous au sérieux, pas quoi c'est étranger pas venir prendre nous au sérieux. Et dans même optique, pour nous continuer à parler de zombification qui existait dans mi-temps société haïtienne, dans mi-temps différents secteurs dans la vie nationale, eh bien, invitez-nous pour jeudi dans l'espace libre opinion. C'est le prophète Dorvilus Kenny, un jeune qui est dans le secteur évangélique, là, qui est très suivi sous réseau, qui a plein de monde qui a suivi parce que il a un discours qui est différent. C'est pas bagay qu'on est devenu dans les prophètes, nous allons dire, oh prophète, etc. Non. Ça sont haïtiens. Conséquent, sont jeunes qui ont l'autre discours. Et discours ça, ou supposé tendre. Le message ça qu'a véhiculé, ou supposé tendre. Et lorsque fin de l'émission, t'as supposé aller sur Facebook, ou taper prophète Dorvilus Kenny, pour ouais travail, pour ouais ça la fait dans la société, dans le secteur lié, parce que ces jeunes ça, ces discours ça, ces moun ça, pour nous tendre. Parce que si nous besoin de nouvelle société, pas quoi c'est pendant nous chuter sous bloc glace nous, pendant n'a bamboche, pendant n'a prend plaisir sans que nous pas conscient de insécurité, pendant n'a piaya quoi nous sans que nous pas conscient de kidnapping, pendant n'a piaya quoi nous sans que nous pas conscient que autorité ou acteurs politiques ont des obligations vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de pays, vis-à-vis de société, eh bien faut que nous tendions. M'bavle vraiment pousser sous code là parce que ça moué pendant 3 jours grave, yo frustré, yo femme fâché, yo femme vraiment et en colère. Mais rapide, on nous rentrer dans l'espace libre opinion, dans débat pour aujourd'hui avec le prophète Dorvilus. Nouvelle Haïti que nous prenons, li doit fait avec tout petit pays, dans toute couche, tout secteur, li doit fait sans distinction, sans discrimination. Et si pour le rive fait comme ça, Nous devons chita parler à tout le monde, nous devons tendre tout le monde parce que chaque haïtien indistinctement gagne place en dedans pays. Et dans l'idée pour nous arriver garder aspect problème qui a tracassé Bill Noir de la société et arriver proposer des éléments de solution pour nous garder qui ça nous a fait avec pays, qui rôle nous a joué comme haïtien dans ce qui a passé en dedans pays, arriver venir avec des solutions sous table. Et bien dans l'idée ça, je dis j'aime déjà annoncé lui, moi gagné comme invité dans espace libre opinion. Yon haïtien conséquent, yon jeune estimé qui a fait un travail remarquable et dans communauté, dans secteur et évangélique là. C'est un plaisir pour me gagner avec moi, prophète Dorvilus Kenny. Et ensemble, nous pral parler sur rôle leader évangélique qui a dû gagner, a dû jouer dans reconstruction société pour une nouvelle Haïti. Bonsoir, bonjour et prophète Dorvilus. C'est un plaisir pour me gagner aujourd'hui dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Bonjour, bonsoir Yannick. Bonjour tout le monde qui a suivi nous par moyen des réseaux sociaux. C'est un plaisir de nous capable ensemble avec nous dans l'émission Libre Opinion, de nous capable de passer un moment et qui a au profit de nous-mêmes et aussi de pays Haïti. Donc j'en dis là, nous parlons de Kenny Dorvilus et on honneur pour nous capable ensemble avec Yannick pour nous capable de passer un moment qui est extraordinaire. Déjà, ma première chose, on le fait encore pour disponibilité. Et prophète Dorvilus, déjà, une question qui est extrêmement importante pour moi, qui a tracassé l'esprit. Et moi, je crois qu'il y a un pilote monde, il y a un pilote haïtien qui t'a aimé et qui a une idée ou une opinion pas ou sous question cela. Et nous, nos sociétés, côté que, gagnent près de 52% de la population qui c'est chrétien. Qui c'est protestant si nous avons dit le ça. Et je dis, nous avons qu'on face avec quantité moun qui constitue secteur protestant en dedans pays, qui vraie mission, yon chrétien gagne dans la société. D'accord. Et moi, je dis ça. Pardon? Que moun pas besoin de choisir dans la vie. Et mon n'a pas de pouvoir aussi pour choisir ça. Premièrement, pas de monde qui peut choisir dans le pays qui est été fait. Donc, c'est justement mon n'a gardé les faits dans le pays. Pas de monde aussi qui a choisi famille qui est été fait. Et aussi, pas de monde qui a choisi jour qui est été fait. Ça veut dire, si on fait dans un pays, c'était volonté, bon Dieu. Et son volonté qu'il a même dès avant la fondation du monde. Si nous faites dans une famille, c'est volonté bon Dieu. Et jour que nous faites là, c'est volonté bon Dieu. Donc, Kenny Dorvilus, qui c'est haïtien et qui fait en Haïti, donc c'est pas un hasard, c'est pas une erreur. C'est un plan qui planifié. C'est déjà un plan originel bon Dieu pour moi-même, capable de faire en Haïti, pour Yannick, capable de faire en Haïti. Et chacun de nous qui fait, nous pas fait tout chrétien, mais nous fait tout haïtien. Nous pas fait tout chrétien, mais nous fait tout haïtien. Ça veut dire que nous haïtiens avant même que nous chrétiens. Et pour me citer ça aujourd'hui, nous sommes citoyens haïtiens avant que nous sommes citoyens célestes. Donc avec l'avancée du temps, nous venons accepter Jésus comme sauveur personnel, non? Mais même gens que nous gagnons devoir pour nous capables de vivre selon Jean mon Dieu voulait, et au jour du Seigneur pour nous capables de vivre chez nous, c'est de même aussi nous devons vivre nos façons dans le pays, nous pour nous capables de pays nous à aller mieux. Parce que situation pays a toujours primé, il toujours eu un impact qu'il fait sur les citoyens célestes que nous avons, sur le travail citoyen céleste que nous devons faire. Voilà pourquoi moi-même, au travers de prédications, on prêche l'évangile du salut, mais on prêche aussi l'évangile du royaume. Pour me faire chrétien, on connaît que, au-delà de notre travail que nous devons faire pour mener non, bon Dieu, nous avons un travail pour faire aussi pour le pays. Parce que maintenant, Bible, nous n'avons pas jamais entendu dire Jésus du ciel. je peux le dire Jésus de Nazareth. Donc pour prouver que Jésus, il bon côté qu'il sortit, il appartenait avec son territoire, il appartenait avec son nation. Donc nous pensons que, j'en te pose des questions, rôle un leader évangélique et rôle tout chrétien, c'est non seulement travail pour être capable toujours gagner une relation ensemble avec mon Dieu, mais aussi travail aussi pour l'avancement du pays. Pays côté bon Dieu du placé. Parce que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard. Nous n'avons pas choisi pour nous haïtiens. Nous n'avons pas choisi pour nous faire ce bout de ça. Mais c'est dans le plan bon Dieu. Même j'en dis dans Deutéronome 32, le verset 8. Donc c'est exactement dans le plan bon Dieu pour nous là. Et si nous là, nous avons travail que nous devons faire. Et il y a une plus grande commission qui est dans la Bible là, que nous venons dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19. La Bible dit, il faut que nous allions faire des disciples des nations. Donc ça veut dire que nations, nous devons pour nous faire disciples pour nous porter au bail bon Dieu. Et dans ces rôles, ils ont citoyens chrétiens, ils ont chrétiens, bien entendu, ils ont leaders, c'est surtout travail pour avancement pays, et travail pour avancement pays, pour participer, c'est dans plusieurs manières. Mais maintenant, et prophète Dorvilus, nous, en dedans pays, gens vraiment l'église a multiplié. Tout quand on passait, on paquette l'église, on paquette et chef religieux. Qu'on y a question à poser en dedans espace là, parce que si on a constaté qui quantité pasteur, qui quantité et chef religieux qui gagnent, mais n'a regardé moun sa yo qui en dedans l'église yo, on dirait que yo plus considéré comme un citoyen céleste, qui est un citoyen haïtien à part entière, qui gagne des droits, qui gagne des obligations de la société, qui gagne des obligations vis-à-vis de propre tête, vis-à-vis et de pays la vivre. Est-ce que l'Église par une mission? Est-ce que l'Église pas supposée à participer dans la formation? Et dans la formation moun sa yo, dans la formation moun nou rele et brebis yo, qui en dedans l'église fidèle yo. Qui mission, qui véritable mission l'église gagne journée aujourd'hui en là, n'a aider au changement, n'a aider pour y rejoindre un changement dans la société. Il y a trois institutions ça yo depuis yo pas jouer rôle yo dans nation. Yo pas rappeler qui monde qui dit ça, mais moi rôle. Trois institutions ça au début yo pas jouer rôle yo dans nation. Les dit les nations ça 50 ans pour pas exister encore. La première institution, c'est l'école. Deuxième institution, c'est l'église. Et troisième, c'est l'État. Pour qui ça? Parce que c'est Mounzaïo qui vient aux oreilles peuple là. C'est Mounzaïo qui parlait non seulement dans les oreilles peuple là, mais génération qui a fini. Depuis l'éducation pays, il faillite. Depuis l'État, on a dirigé le pays, il est en faillite. Et depuis l'église, ou bien religion, comme dit le non-sens plus large, depuis religion, qui a accès pour réunir pour monter aussi en faillite, il est possible pour payer ça 50 ans plus tard, il n'a pas existé. Ne pensez, je ne dis pas, l'église en Haïti a doué prendre conscience. Pour vous connaître que, ou la nation, c'est travail pour avancement nation. Nous toujours dit nous servi le Dieu d'Israël. Bien entendu, nous avons servi le Dieu d'Israël. Mais nous n'avons pas fonctionné même ensemble avec Israël. Par exemple, je dis à si Israël est en guerre avec l'autre pays, Israël n'a pas prié seulement. Israël prend l'arme. Parce que en matière de défense de la nation, il y a une grande bagarre qui est faite, c'est prendre l'arme. C'est là que les gens ont prié. Mais il faut que nous prenions l'arme. Nous aussi avons servi les dieux d'Israël. Les dieux d'Israël, ils ont honoré les pères patries. Par exemple, Abraham, Isaac et Jacob. Nous-mêmes, personnellement, nous avons plus honoré les pères patries Israël, qui c'est Abraham, Isaac et Jacob, au lieu que nous honorer aussi les pères patries haïtiens. Donc, bien entendu, ce sont des hommes de Dieu, mais ce sont des pères qui ont été. Donc là, on a dit les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Donc ce sont des héros qui travaillent pour mettre les nations à protéger. Du même que nous-mêmes aussi, nous avons des héros. Et ça fait longtemps, nous faisons comprendre l'Église Il n'est pas possible pour même la mort de Saline, un chrétien, t'as même son poste pour lui qui m'a honoré mémoire papa nation. Mais quoi que le monde n'a honoré mémoire papa nation Israël. Donc, soyons clairs, si que nous avons servi les dieux d'Israël, il faut que nous copier le peuple d'Israël. Prophète Dorvilus, ou dit un gros bagaille là, ou dit un gros bagaille, parce que moun yo, j'ai l'impression moun yo qui dans l'église yo pas comprendre vraiment. Yo seulement un seul aspect et comme si jodi an honoré, mais oublié ça qui dit dans Bible, si son exemple lié, si son marche à suivre lié, et journée jodi on dit un bagaille qui est extrêmement fort là. Exactement. Parce que si nous sommes diligents d'Israël, on est clair ensemble avec nous. Donc, l'homme dit qu'on ça pour défendre le pays, à faut prendre âme, n'a pas prendre âme, donc pour la bonne cause, pas pour l'injustice, mais pour la justice. Par exemple, parmi les 12 tribus d'Israël, on a une tribu qui était les tribus des Siméons. Tribu des Siméons, c'est une tribu même qui était là pour des batailles, pour défendre la nation. Donc, nous pensons que l'Église a un cadre de formation, d'enseignement qui nous appelle, nous pensons que nous devons faire même une résocialisation pour nous reconstruire complètement. Donc, moi, je dis ça, l'église là, n'est pas là seulement dans les 4 murs. On nous dit, ok, nous étions dans 4 murs. Mais c'est plus que ça. Et moi, toujours dire, c'est le dire, ça arrive dans l'église. Moi, il y a des grands jeunes qui sont dans l'église moyenne. Souvent, il y a l'église là, bon jeu de mercredi, là, bon étude biblique, là, il y a cette plongée des manamans, là, tout bagaille, là, je me dis non, ça c'est temps pour étudier, c'est pour une église, mais bon temps pour étudier. Parce que même Bible la même dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc, bien temps c'est pour jeunes étudier, pour la première bagaille, ils mettent dans la tête. Et je vous dis, majorité des gens qui pensaient que yo bon Dieu m'a eu en grâce, yo plus pensé grâce là pour le capable de bon micro pour yo prêcher. Et c'est ça qui fait, je dis à nos gars, pile l'église, parce que nous disons pile monde qui fait l'église et qui pas même bon appel. Il y a des monde bon Dieu m'a eu en grâce pour le capable même j'avais con Joseph. Ils ont administrateur, ils ont monde qui compte manager très bien. Vous savez l'histoire de Joseph. Bon monde bon Dieu capable de eu en grâce. Et Daniel t'est gagné. Je ne dis pas si nous prions le Seigneur, nous grâce Daniel là, nous grâce David là. Nous pas même pensé que Daniel avec David c'était politicien au pays. Donc là, le Seigneur voulait grâce David là pour moi, voulait grâce Daniel là pour moi. Faut que je connaisse que c'est dans la politique là directement pour aller. Mais Kounia, et qui ça nous pral faire avec moun sa qui dans même secteur religieux qui yo même yo apprendre fidèle pour fidèle yo dire moi même pas dans politique gen moun élection qu'on a fait là moi même dans l'église m'te kon marcher là dans l'élection faite fidèle yo dire pas pral voter parce que et pasteur a dit question cause politique pas pour nous donc kounya c'est qui message ou bay moun sa yo parce que faut moun yo comprendre que avant yo sont chrétiens avant que yo ouais chaque jour faut y aller une activité religieuse, mais tous ils sont haïtiens, ils sont citoyens. Donc, l'important pour bailler mon message, pour comprendre que c'est pas seulement activité l'église, mais activité l'église, l'important, prier sans cesse, l'important, mais il y a l'autre bagaille tout, qualité haïtien, li ba ou des obligations, et je dis là, nous supposons respecter obligations, ça. Yannick, moi toujours dire, un chrétien qui parle implicite des voix par une telle, il fait plus mal que bien. Et aussi longtemps que moi-même, mon bon micro, que mon Dieu permette mon bon peuple des hommes, que mon message m'a véhiculé, m'a toujours parlé vérité. Et toujours dit, chrétien, pas parle dans la politique, chrétien, pas parle dans la politique. Et toujours dit, le plus beau politicien, c'est bon Dieu. Parce que bon Dieu apprenne que donc c'est Satan, il a monté un coup d'état contre lui et puis j'étais Satan avant. En réalité, c'est pas politique qui pas bon, même Jean mon frère éternel toujours dit. C'est pas politique là pas bon, mais c'est mon café politique là pas bon. Donc moi toujours dit, prier pour mon nation, ça pas retirer nation dans sa liée. Donc, premier bagage qui lève une nation, qui retire une nation, n'ayons pas fond, c'est la justice. Et Bible la claire sous ça, la justice et la nation. Vous comprenez qui ça qui cause, c'est parce que, mon cap enseigné nous, pour dire vraiment, nous ne sommes pas vraiment à la hauteur de formation qui est formée nous. Et puis l'autre bagarre encore, nous prenons une petite partie seulement pour nous construire ça, nous les construire. C'est pourquoi, lorsque nous avons dit, ne vous consommez pas au siècle présent, dit quand il a dans verset ça. Il va songer, même verset ça dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que nous devons fonctionner avec une intelligence qui renouvelle chaque jour. Donc, l'important, c'est dans le cadre de formation, dans l'enseignement que nous avons écouté aujourd'hui, pour nous dire que c'est vrai, nous sommes citoyens célestes, mais aussi nous sommes citoyens haïtiens. Donc, si nous sommes citoyens haïtiens, nous avons pile obligation, nous avons pile devoir que nous-mêmes nous devons remplir, devoir de citoyenneté. Donc, appliquer la justice, protéger l'environnement, tout ça nous fait pour avancement de la nation en tel. Parce que je ne dis pas, on nous dit ça clair, qu'un pile d'église qui va fonctionner dans la soirée, à cause de qui ça? À cause de l'insécurité qui en tant que pays. Ça veut dire, ça qui affecte le pays, il faut affecter l'église. Et c'est pour les gens, ça bon Dieu, pour nous prier pour tout utiliser en autorité. Pour ça, pour ne pas tomber dans la corruption. Pour que nous, il n'y a pas rendu aussi, il n'y a pas fait mal avec le peuple. Parce que bon Dieu connaît, lorsque l'autorité par le cœur est rendu aussi, il tombe dans la corruption, il tombe dans la méchanceté, il a affecté même l'église qui est dans la soirée. Mais qu'on y a, on regarde les réalités, hein? Il y a un paquet l'église en dedans pays, mais il y a une division qui chita dans le secteur religieux, dans le secteur évangélique. Est-ce que ça n'a pas contribué, je ne dis en larmes, et m'bral dit, on peut-être ou capable d'accepter. Est-ce que ça n'a pas contribué dans la zombification paquet chrétien en dedans l'église, côté que il y a des séries de monde, il y a des séries de chefs religieux qui abattent l'évangile, mais ils abattent demi-vérité, ils ont un bon parti pour eux, soit parce que ça a enseigné moun, ils n'ont pas vraiment bien imbu de toute signification, bien interprétation, ils ont fait de parole, bon Dieu, ou bien tout, c'est mauvaise foi qui n'en moun qui fait, ils ont seulement dit, voilà, mais ça, bon Dieu, mandé pour nous faire. Blier toute pression, et puis nous vivons, nous sommes citoyens célestes, nous mourons, corps, libéral pourri, etc. Et puis nous mourons, nous montons dans le ciel. Donc nous pas besoin de craindre rien. Nous pas besoin de peur rien. Si nous marchons dans la rue, nous avons dit kidnapper nous, tout à Jésus. Mais, par rapport avec la situation, ça pour faire Dorvilus, par rapport avec la division qui gagne dans ce secteur-là, je dis là, c'est qui ça qui t'a dû faire? Nous-mêmes qui conscients, jeunes qui conscients dans ce secteur-là, qui ouais des bagages qui pas bien marché, qui ça nous t'a doit faire là pour nous repenser secteur évangélique là, pour nous repenser secteur religieux là, pour au moins pour nous yo ka connaître non seulement yo sont citoyens haïtiens, mais tout yo c'est un chrétien, yo c'est moun ka prier. OK, m'a commencer comme ça et moi souvent dire que en pile moun toujours a dit que ça qui dans le noir, c'est colons qui viennent ensemble avec lui, donc c'est époque de colonisation, tout. Nous avons dit, Bible était là avant époque coloniale, mais sauf que dans le moment, il était utilisé Bible même pour question esclavagiste. Et ma prière sur ça, il était utilisé le même pour question pour être capable de commerce. Esclavagiste, commerce esclave là. Et lorsque vous prenez esclave là, vous venez ensemble avec lui, vous baptisez, vous montrez clairement des textes, vous mettez foi aller dans bon Dieu, vous venez avec clairement des textes qui prouvent, parmi lesquels que esclaves obéissent à vos maîtres. Donc ça, vous montrez clair qu'ils obéissent à vos maîtres. Donc, et puis, il vient avec le texte, donc, qui pour permettre que le monde n'a pas cherché l'argent, il dit, le plus facile pour qu'il y ait un chameau entre dans les églises, au lieu qu'il y ait un homme riche entre dans le ciel là. Il vient avec plusieurs textes. Donc, maintenant, il y a même dans l'idée pas, même on se dit là, malfoyeux, mauvaise foi, qui ont fait, parce que ils ont conquis ça, qu'ils ont voulu gagner. C'est le même, je dis, nous avons un leader qui a zombifié le peuple là, qui a manipulé le peuple là. C'est parce qu'en retour, on connaît pour qui raison. C'est parce que non seulement il y a un capital qui est reconstruit. Si vous lisez la Bible, vous côté Jésus qui paraît à Jérusalem, et puis tout ça, là, il y a un capital là pour nous prier. Il y a un côté, il y a un vent, il y a un tourné, il y a un marché. Et puis là, Jésus dit. Prophète Dorvilus, allô? Allô? Oui, voilà, voilà. Communication te font couper, m'bat fin tado. Non perdu, prophète Dorvilus, n'a essayé rétablir contact là, pressé, pour nous, ouais, ça va passer là, parce que signal yo, bah, il a changé net. On essaye refaire contact là. Ah, dans le pays. On est pas j'en fin bon paysan, non? Au pays, pour connexion, ou pas qu'à, appel pas qu'à faire, relais direct, appel pas qu'à faire. N'a pas essayé de rétablir contact là, pressé. Prophète Dorvilus, communication était coupée. Oui, exactement. Nous t'as parlé de marché, hein, le mounio qui t'a. Exactement. Lorsque Jésus qui vient à Jérusalem, temple là, il était doué prier là-dedans, il fait le tourner au marché. Et c'est de même, je ne dis pas, en pile leader. Premièrement, c'est parce que l'ensemble du monde qui parle vraiment qui appelle. Yo ouais, donc marché à bon, yo ouais, commerce là bon, yo d'accord entre là-dedans. Mais maintenant, puisque nous avons peuple qui est analphabète, nous avons peuple qui n'en besoin, nous avons peuple qui a nécessité peuple là, et puis ils utilisent ça pour manipuler peuple là, pour zombifier peuple là. Et je dis à ça qui a passé dans le secteur protestant, il est grave au point où il y a des gens qui vont appeler entrer l'église. Je pense que l'important dans le moment pour tout leader, prendre conscience. Et aujourd'hui, on va gagner vraiment fort. Nous-mêmes, nouvelle génération, ça plaisait, que bon Dieu, il y a un message civique. Un message non seulement pour faire mieux comprendre, que son citoyen céleste, mais son citoyen haïtien. Les bons pour que nous-mêmes, nous sommes capables d'imiter les bonnes choses que papa nous a fait, que ancien nous a fait. Mais les bagages que nous-mêmes, nous ne pouvons pas répéter. En espérant qu'après 10 ans qu'il n'actionne, il y a l'autre secteur protestant. Et je n'ai pas dit, bagaille là, il est vraiment grave, il est vraiment grave. Et si, ou même personnellement, qu'on habitue aux messages sur les réseaux sociaux, on peut voir que majorité comment, même si c'est pas rien qu'à faire, il dit que bon, je ne pas, avec quelques temps, on va pouvoir aller encore parce qu'il a pillé, lui dit trop vérité. Vérité, oui, vraiment. Même si je dis que, moi, oui, mais mon bac à tuer. Et parce que, go bagaille, toujours remarqué. Bon passage dans la Bible, on va profiter de rappeler mon yol pour moi, parce que là, faut que je dis, moi, à recevoir prophète Dorvilus Kenny, parce que faut nous parler sur la situation pays, et qui wall leader évangélique qui a joué dans la reconstruction société pour une nouvelle Haïti. Prophète Dorvilus, bon passage dans la Bible, et toujours tant de moun répéter yo souvent répéter mais j'ai l'impression son seul parti yo kembe ladel donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et parce que moi même on dans l'église en pile fois leur pral faire leur pral passer et corbeille pour faire offrande yo toujours aimé utiliser verset ça donner à César ce qui est à César, donner à Dieu ce qui est à Dieu, et puis lancer activité au franc Dieu. Je ne dis là, est-ce que activité qu'a fait dans l'église, est-ce que ça nous gagne comme activité religieuse, est-ce que c'est pour enrichir leader, parce que ma constate moi-même, l'église fonctionne 7 sur 7. Yo fonctionne, bon, pas 24 sur 24, mais yo fonctionne près de 9 à 10 heures et pour journée, hein? Et chaque activité yo entreprendre, gon collecte, gon corbeille qui passe pour yo rentrer l'argent, collecter l'argent. Pendant moment ça, gen moun ki dans l'église qui pas kavre petit yo l'école, gen moun ki dans l'église qui loue kay, gen moun ki dans l'église qui malade, qui pas ka l'hôpital yo même, moun yo consciemment ou inconsciemment, il y a toujours l'argent qui va porter dans l'offrande là. Même le petit coulier ou un bagage y a mettre. Est-ce que je ne jodi là et est-ce que c'est Bible qui ordonne moun yo pour yo mettre quotidiennement chaque fois yo vini l'église dans activité pour yo mettre, ou bien est-ce que c'est l'église qui régularise bagay yo comme ça, chaque activité yo mande moun yo offrande, yo mande moun yo pour yo vini et bagay l'argent. Comment ça y? Ok, de façon. premièrement, texte aux sociétés, dans ce contexte-là, c'est pas vraiment ça, c'est mal interprété ou mal interprété. Texte qui dit donner à César ce qui est à César. Et l'histoire est claire, c'est pendant les limites ensemble avec Discipio. Et puis, Discipio, il a essayé, les pharisiens ont essayé de garder comment piéger. Ils ont pris un penny, ils ont $1, et puis ils ont dit, ils ont demandé pour nous payer tribut avec César. Ça veut dire nous devons payer taxe avec César. Qui sont passés dans ça? Jésus dit comme ça, donc, bye bon Dieu, ça, oh bon Dieu. Allô? Oh, connexion ça. Allô? Oh. La communication a tombé levé. Oh, signal là pas bon même, signal là pas bon. On nous continue pour faire Dorvilus. Oui, oui. Oui, ça qui pour César, c'est payer taxe, payer billes, payer toutes sortes de faire. Ça veut dire des rois qui perdent. Donc bien content, on réussit, on visite texte ça pour moi. Toutes les voies citoyenneté qui est fort avec César ou nous fait. Et je suis clair dans ça. Donc, ça, pour mon Dieu, il peut être chrétien, qu'on aime mieux prier, nous devons mener en vie de sanctification, qu'on est que, on doit adorer bon Dieu. Ça, c'est pour bon Dieu, offrir cœur à bon Dieu. Mais, nos fonctions, nos responsabilités, César, envers l'État, envers le pays, nos responsabilités envers le pays, donc ça, pour le pays, n'en forme pas l'île, et c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir du tout ensemble avec nos familles. Donc, c'est ça, texte la vie. Maintenant, allons répondre. Une question aux frères. Donc, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Qui ça me dit pas là? Donc, l'évangile, parole que m'a prêché, m'a prêché le gratuit. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais maintenant, pour moi prêcher, ça m'a prêché, les coûteux. Par exemple, système son, gaz, et espace qui pour louer, chaise. Tout ça, que mon doit vivre dans l'espace pour le devenir confortable, pour le temps des biens, pour le normal et pour le même climatiser. Donc ça, il y a de coûteux. Pas chrétien, il doit faire une offrande. Une offrande, c'est un bagage qui est volontaire. Volontaire. La Bible dit que quelqu'un donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, et qu'il le fait avec joie. Donc, une offrande, c'est un bagage qui est volontaire. Mon nom, ouais, certainement, il y a une nécessité pour l'offrande. Les balles, les besoin, mais c'est pas un bagage que mon en soi, les doux les joignons, tonton Macoute qui fait le balles, c'est pas une manipulation aussi. Donc, mon en soi, les doux qu'on est que l'église là, les gagne un ensemble de besoins, un ensemble de pour venir pour jeune l'église là, pour jeune gaz, pour jeune monson, donc ils sont obligés par offrande. Mais maintenant, côté le pas bon, c'est lorsque on manipule mon nom, donc on exige mon nom, à faire un ensemble de choses, parce que moi, je dis tout d'abord, on prend son bagage qui on tête qui est bien, ou pas manipuler mon nom pour le faire, et ou pas, en les mots, exiger mon nom pour le faire. Mon nom, on a l'obligation pour le faire. Mais, bon, il y a un bagage qui s'est passé dans l'église primitive, qui c'est l'église des apôtres. La Bible dit, on était comme habitué, même vendre bien, pour le vin faire dans l'église là, pour le vin porter dans l'église là. Mais ça, pour souligner qui est important, la Bible dit, pas bien indigent au milieu de eux. Ça veut dire, dans les yeux qu'on recevoir, vous faites bien avec elle. Okay. Il n'est pas une question pour que mon église là, qui a enrichi, beaucoup plus passer en l'autre à cause de d'eux qui entrent. Il n'est pas une question pour pasteur enrichi avec d'eux qui entrent pendant que vous craignez mon église là, qui n'a qu'à manger. La Bible claire sous ça que dans le temps, pas d'indigence. Dans le temps, pas de monde qui te manque. Ils ont fait partage entre eux. Et c'est le contraire de ça que je dis. Tout ça entre l'église là, les plus aller dans le capital homme de Dieu. Au lieu que vous fait quitter une institution, au lieu que vous fait bien avec le monde qui a nécessité. Et c'est ça, je pensais que c'est ça, mais qui ça le dit. Et lorsque le monde va offrande, il va offrande non seulement pour l'église, et tout, pour le monde qui a nécessité pour aider et sans qu'il paye dans l'église. Donc, est-ce que il y a raison pour nous considérer que Et journée jeudi en là, par exemple, si nous prenons des hommes religieux qui ont même vraiment concentré toute activité sous faire offrande chaque jour, faire offrande chaque jour, et l'argent ça c'est vraiment seul mon ou un petit groupe mon en deux dans l'église à Paris. Est-ce que nous ca assimiler là avec cupidité qui envahit l'église journée jeudi en là? Avec qui ça aussi? Est-ce que nous ca assimiler là avec une forme de cupidité et avidité qui envahit l'église, c'est faire l'argent? Est-ce que nous ca ouel comme ça? Voilà, et l'église lui une mission première. Parce que mission première l'église c'est premièrement pour les capables et garder l'âme chrétienne jusqu'au retour du Seigneur. Mais deuxième bagage là c'est pour nous vivre dans la communion. Il y a quatre piliers que l'église primitive décide à soulever. Premièrement, c'est dans l'enseignement des apôtres. Parce que le peuple là apprend direction enseignement qu'il fait, qu'il recevoir. Deuxièmement, dans les prières. Troisièmement, dans la communion fraternelle. Donc, son communion qui existait entre nous. Et nous pensons que question communion actuellement en Haïti, disons, dans l'église en Haïti, il n'a pas existé encore. Les plus, comme si on frère et on sœur vient l'église là. Donc, situation pâle, c'est une occasion pour moi-même de montrer si que je témoin envers sous lui-même. Ce n'est pas une occasion pour moi-même de secourir envers confrères ou bien seuls qui n'ont pas de problème. Et quatrièmement, la Bible dit, il était persévéré dans la fraction du pain. Et ma présidente encore, donc, je dis à leader ecclésiastique, leader évangélique, premièrement, il doit prendre conscience. Parce que le problème haïtien, je dis à, c'est conscience. C'est conscient que le pays n'a effondré. C'est conscient que le pays a complètement perdu équilibre. Et nous-mêmes, en tant que leaders ecclésiastiques, nous sommes conscients que nous avons part, nous avons rôle que nous devons jouer. Et nous sommes conscients aussi, peuple là, qui a besoin de notre formation. Nous devons mettre ça une dépêcher, Yannick, nous dit que il y a trois types d'options qui toujours retirent un pays dans sa ligne. Donc, si nous regardons le peuple d'Israël qui était en captivité en Babylone, lorsqu'il a sorti en Babylone, c'était trois options qui étaient disponibles. Premièrement, c'est l'option prophétique. Donc, nous devons avoir des prophètes qui consacrent, qui a dit peuple là, voilà, mais qui savent bon Dieu voulait. Donc, mais qui savent bon Dieu voulait dans ces saison. Et lorsque le peuple arrivé, nous avons ensemble de prophètes, un ensemble de hommes de Dieu qui a dit ça. Mais le deuxième type d'option, c'est l'option de Esdras. L'option d'Esdras, c'est que Esdras était là, après le peuple a sorti en captivité, pour réenseigner le peuple la bonne conduite, pour réenseigner le peuple là comment il doit vivre dans la société. Là. Et nous besoin d'une option d'enseignants qui entrent dans l'église, qui l'école, qui rééduquer le peuple là. Nous sommes dans le Saint-Marc qui réunit des milliers de personnes. Mon frère qui vient côté me dit, prophète Kenny, bon Dieu, il y a une mission pour rééduquer les chrétiens haïtiens. Et troisième type, c'était l'onction des Néhémies, l'onction des reconstructeurs, l'onction des bâtisseurs, l'onction côté des fils et des filles du pays, qui c'est docteur, qui c'est médecin, qui c'est agronome, qui c'est plusieurs, qui c'est journaliste, même ensemble avec vous. Donc, nous faisons l'autre travail dans le pays. Et si nous avons trois options, ça a été à l'œuvre, nous pensons que dans 5 ans, dans 10 ans, nous avons l'autre Haïti. Et on nous garde aspect sociopolitique pays là. Est-ce que selon vous-même, leaders évangéliques, vous avez supposé impliquer dans ce qui a passé comme décision politique? Premier bagage, chita ensemble, mettez tête ensemble, videz contentieux dans mi-temps, parce que en deux dans secteur religieux, en deux dans secteur évangélique, là, y a un paquet de divisions, ça nous conscient de eux. Même pas un qui dehors, qui garde des bagages à la distance, li ouais, des séries de chirépite, des séries de duels qui qu'on a passé en deux dans pasteur, évangélique, etc. Journée aujourd'hui, pays arrivé dans le carrefour, côté que tout le monde concerné, tout acteur yo concerné. Tout le monde a doué, chita ensemble, garder qui ça a passé comme problème, poser problème yo et venir avec des propositions sous table pour nous arriver à une solution avec ça a tracassé le pays. Je dis en prophète Dorvilus, est-ce que pas ta nécessité pour l'église ta chita ensemble pour venir avec une proposition que c'est au niveau politique, que c'est au niveau social, que c'est au niveau sécuritaire, pour faire une proposition à l'actuel gouvernement qui l'a, pour garder qui ça a été capoté le positif de plus, recherche de solutions qui t'a rejoint là, nos problèmes pays à traverser là. Dans le cas ça, c'est difficile, oui, ça est difficile parce que l'intérêt est pas même. Donc, si nous petit détail. Hein? Nous petit détail, intérêt ou pas même, comment? Expliquez-nous. Les mots dit intérêt ou pas même, c'est que la majorité hommes de Dieu qui nous gagnent actuellement, je chaque gagne un intérêt qui a convergé vers l'intérêt Christ, il m'a dit non. Donc, il y a une condition, la Bible dit, à l'effet de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, l'intérêt, il vient pas même pour qui ça, parce que, bien des mots, finalement, la bataille pour que c'est lui-même qui vient plus gros l'église là. Ça, c'est un intérêt qui est personnel. Et les mots aussi, la bataille pour le capable de dire, bon, c'est parce que ça qui est plus riche. Et les mots aussi, la bataille pour le dire, c'est parce que ça qui est plus puissant. Donc, il faut que les vignes comme ça, les vignes permettent que l'intérêt ne pas même. Pour nous venir chiter ensemble, pour que nous vivions. Même intérêt. Et le même pour les politiciens pays, non. Parce que les gens ne peuvent pas chiter ensemble pour sortir avec eux. Une solution pour la sortie des crises. Pour que ça, c'est parce que l'intérêt ne vient pas même. C'est de même dans le même genre de religieux. Donc, l'intérêt homme de Dieu, l'intérêt leader, pasteur, il ne vient pas même, il ne vient pas cacher ça. Donc, je pense que nouvelle génération qui a levé à moi, même ensemble avec vous plusieurs, nous avons un gros rôle pour nous jouer. Et je ne dis pas, nous avons regardé comment l'Église lit. État de faiblesse qui n'est exagéré. Au point où je dis, si vous avez dit prophète, on a dit bon, c'est escroquerie, c'est voleur, c'est vicieux, on dit pasteur, il est en douce, c'est voleur, pour qui ça? Parce que donc, nous avons des modèles, des échantillons qui parlent, qui sont présentés. Et ça, que je me songe, lorsque je me recevoir appel ministériellement, je ne suis pas d'accord, parce que les étudiants à l'Unica, je recevoir appel, moi, je me dis non, dans un pays, ceci, donc, question bagaille, serviteur de Dieu, prophète, tout ça, etc. Il y a des commandes présentées, d'accord. Et prophète, personnellement, c'est un monde qui doit qu'on ait appel prophètement pour qu'on ait un prophète parce que je ne affiche ça à aucun côté sur les réseaux sociaux, même aucun côté. Pourquoi ça? Parce que nous venons de des mondes qui mal représentés, nous. Donc, l'intérêt à Barbe Yannick, c'est difficile pour que l'homme de Dieu s'achète ensemble. Parce que des trois graines qui ont même intérêt, qui ont intérêt non seulement pour le royaume bon Dieu et pour le pays avancé, c'est eux-mêmes dans ce qui t'a aussi tard. Est-ce qu'il y a une possibilité pour Nouvelle Haïti n'a cherché là, pour nous avoir tout secteur yo chita ensemble là, m'a parlé de secteur religieux. Dans secteur religieux, nous ka di gen catholique, gen protestant, gen vaudouisant. Est-ce que vraiment chrétien protestant yo ou même, personnellement, est-ce que nous prêts pour nous transcender peut-être divergences qui étaient gagnées, pour nous toutes chita sur la même table, pour nous faire des propositions ensemble pour Haïti, sans que nous pas mettez la foi devant, mais nous mettez pays en avant. Très bon. C'est très important. Parce que nous sommes parlés de l'intérêt. Si ça me passe au dit, c'est intérêt pays. Si que, si ça nous parle, c'est intérêt pays, vous pensez qu'il n'y a pas de problème pour un protestant chita ensemble avec un catholique, pour un catholique chita avec un vaudouisant, pour un vaudouisant chita ensemble avec un adventiste, pour un adventiste chita ensemble avec un pentecôtiste, un pentecôtiste chita ensemble avec un maçon-loge, parce que l'intérêt commun, c'est exactement pour l'avancement de Haïti. C'est possible. Et qui ça qu'empêche que initiative ça au beaucoup capra qui ça qu'empêche que nous pour qu'on joindre résultat ça nous soif bagaille ça en dedans pays parce que nous soif stabilité nous soif sécurité et si c'est secteur ça qui pour mettre tête ensemble et est-ce que ou même paré pour initier action yo pour initier activité ça yo qui ça ou même dans secteur parlant à groupe là ou compter fait qui engagement nous compter faire nous compter prendre là pressé pour nous voir comment nous ca retirer pays en côté là ça extrêmement important pour nous. Bon, c'est ça qui empêche le fait, bon, comme tu as ensemble avec mon enfant, ça, bon, c'est retard là ou bien, et prise bon côté chrétien. Parce que, je dis à le son, j'ai eu mon état, il est facile pour un maçon loge venir quitter petit libre, un chrétien, au lieu que chrétien vienne quitter petit libre, un maçon loge. Donc, nous passons, bon côté par nous, parce que, ils ont enseigné nous mal, côté que pas un rapport entre les ténèbres. Parce que là, même texte, ils ont mal compris, la Bible dit, donc, nous pas d'où ici, accompagné des moqueurs, tout ça, etc. Ça, encore, c'est des interprétations. Mais je pense que c'est bon, exactement bon côté chrétien, qui est difficile, et ne pas généraliser, ok? Ne pas généraliser, parce que moi, je crois qu'il y a des hommes de Dieu conséquents dans le pays, qui voulaient, ils ont avancé, qui voulaient, ils ont sorti des crises dans le pays. Et si ils t'ajoignent, ils ont une perspective comme ça, comme ça. Mais maintenant, bon côté, pas. Comme vous avez déjà, moi, un peu jeune, je viens avec un message qui est nouveau, et un message qui est difficile aussi. Donc, c'est pas aussi facile de travailler ça, parce que moi, pas en Haïti, c'est bon Dieu en Haïti, pour que, exactement, le message ça lui prêcher. Bon côté, pas. Peut-être si vous gagné, c'est commencer et public qui m'ont gagné, monde qui m'ont gagné, qui attendait, soit par moi, soit physique, soit par moi les réseaux sociaux, regardez au travers des paroles comment que nous capable d'influencer. Parce que pouvoir qui pique fort, c'est pouvoir lorsque le monde attendait. Et moi j'ai plusieurs perspectives, parce que récemment moi à mettre sous pied, ils ont les réseaux des leaders chrétiens influents. Qui était lancé à Caillou des Hôtels, côté que, on était lancé en plateforme pour nous faire chrétiens reconnaître que, nous devons impacter plusieurs secteurs dans la société, secteur politique, médecin, médiatique, et plusieurs. Et je ne dis à nous besoin des journalistes chrétiens, donc qui partent dans l'argent dans les mondes pour venir dans les fake news, des mondes qui sont honnêtes. Donc, les plateformes s'amusent sous pied pour nous capables de former des chrétiens pour aller dans plusieurs secteurs, aller dans la politique, aller plusieurs côtés, des secteurs, dans le domaine business, tout ça, pour nous faire chrétiens, on connaît que nous gagnons un devoir, un mandat des pays. Non seulement moi gagne ça tout, moi gagne plusieurs croisades des rassemblements nationaux, en compte moi des croisades des rassemblements nationaux qui nous parlent parler sur 12 postes influence pour transformer en nation. Moi c'est que le travail qui est capable de faire, c'est au travers de l'enseignement que gagnons transformation dans le message qui est véhiculé, tout au bout ça de l'étendre et sur de nouvelles générations. Nous allons finir pour faire Dorvilus et avant dernière question. À plus que 52% chrétiens représentés dans le pays, est-ce que nous avons considéré que secteur ça l'échoué? Ça c'est analyse par moi, pral dim, est-ce que nous sommes bonne voie? Est-ce que nous avons considéré que l'échoué, le n'a gardé peut-être refus de gagner pour impliquer, pour intégrer dans la vie sociétale, dans prendre grande décision pour payer, dans former citoyens, dans former monde fidèle protestant la caillou. Est-ce que nous avons considéré que journée aujourd'hui là, secteur là, li échoué, la majorité monde qui en dedans pays, yo considéré tête comme chrétien, comme monde qui gagne foi protestante, foi religieuse. Est-ce que nous avons dit secteur là li échoué, li pas ba résultat? Mais comment on peut répondre? Oui, non. Oui, pour qui ça? Il échoué actuellement. Non, il n'est pas échoué totalement. Premièrement, on est capable de dire, même l'État pays. Actuellement, est-ce que l'État pays n'est pas échoué? Oui, mais est-ce qu'il est échoué totalement? Non. Pour qui ça? Parce que nous avons des jeunes qui ont fini pour lui donner l'espoir encore dans le domaine politique, dans le pays. Non. Même dans le secteur protestant, il a échoué, oui. Mais est-ce qu'ils ont échoué totalement? Non. Pour ça, parce qu'il y a des jeunes comme Kenny, comme Ores, comme John Kelly, comme Bishop Obi, comme plusieurs autres qui ont levé pour redonner l'espoir encore. Mais actuellement, on a dit, franchement, nous échoué, mais pas totalement. Donc, il est extrêmement important pour nous continuer à faire flambeau parce que la société a besoin nous dans la nouvelle Haïti parce que nous besoin un nouveau discours, nous besoin et nouveaux messages qui pourra véhiculer pour bâtir l'autre société parce que ça est extrêmement important. Dernière question pour nous aller parce que m'pap ken bo trop, m'pap ken bo trop. Sou ta recevoir un appel pour ta vin candidat, un potentiel candidat pour prendre tête pays. Ou t'as accepté ou bien t'as refusé? Donc une question là, dans toute grande interview que j'ai participé parce que en pile monde dit, je senti la Kenny Dorvilus, bien l'autre intention, c'est une intention politique. Et ma réponse, c'est que moi toujours habitué à répondre. Ni difficile. Et même pas impossible pour plus de sagesse. Il est difficile pour que moi-même, personnellement, d'avis, je vais occuper un poste politique. Parce que le travail que je fais, travail ça, lit beaucoup plus qu'un poste politique. Lit plus parce qu'un poste politique. Je veux dire, si on annonce que nous devons vivre à Brisson dans une ville, dans le Sénat, comme les Cap-Haïtiens, des milliers de monde. Moi, ça, c'est près de 10 000, 7 à 10 000 monde réunis pour nous écouter. Et moi, j'ai eu un rendez-vous avec des jeunes, c'est marqué à 9 h, depuis 7 h, espace côté de débat rendez-vous, pas de monde encore. C'est parce qu'on voit quoi? Et tout c'est là pour le temps. Et ça m'a dit, donc, il y a un témoignage qui transforme les vies complètement. Et maintenant, moi, c'est que le travail, ça lit beaucoup plus que de devenir un sénateur, lit beaucoup plus que de devenir un député. Et moi, je vous dis, l'impossible pour un chrétien, de devenir sénateur, pour député et même président d'un pays. Mais lorsque bon Dieu est né comme étant homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, évangélique, donc, bon Dieu est à bon, une fonction qui est au-delà du stade. Parce que yon mandat, yon président, c'est 5 ans, mais yon mandat, yon homme de Dieu, c'est jusqu'à ce qu'il meure. Mon mandat, par travail, par plus fort, parce qu'il y a un poste politique. Nous avons tout quitté, yon maille, si c'est la volonté de Dieu. Mais nous-mêmes, c'est pas vraiment intention par nous. On va pas aller chercher, mais Sylvie, on va dire bienvenue. Et prophète Dorvilus, qui ton message pour pays, hein? Yon mot d'espoir, yon mot de solidarité, de reconfort pour haïtiens, compatriotes, Frenchen, yon kap soufri, cause insécurité, instabilité, grand goût, chômage, et moun yon pa wè espoir, moun yon senti yon abandonné, yon délaissé, et l'État failli, l'État oublié yon. Sans pas interrompre pour m'abord 5 minutes pour parler avec auditoire, pour parler avec pays. Merci beaucoup Yannick. Je pense que les situations pays ailleurs sont situations qui dépassent. Premier appel que m'a fait ensemble avec tout Haïtien conséquent, quel que soit le secteur qui est lié, quel que soit avec le secteur religieux qui appartient à lui-même, nous avons besoin, je dis, pour tout Haïtien entrer dans l'emprise des consciences. Aujourd'hui, si on parle de Rwanda, Rwanda, c'est un pays en Afrique que la majorité du monde a aimé visiter. Et Rwanda, on l'a dit, on a des bidons de l'eau à terre, on a amende pour payer. On l'a dit, bidons de l'eau à terre, on a amende pour payer. Parce que c'est un pays qui a parlé d'un développement qui est extraordinaire. Mais lorsqu'on reporte l'histoire de Rwanda, c'est un pays qui connaît en pile le génocide. Et si on dit de nos crises politiques, une situation qui est exagérée, qui recevoir aussi en pile ONG, même ensemble avec nous, qui recevoir en pile mission militaire de l'ONU. Mais c'est un jour que Rwanda a campé, il dit qu'il faut que nous prenions des systèmes nous en main. Ils réunis entre eux, chaque tribu réunie entre eux, département réuni entre eux, dit qu'il est temps pour nous prendre des systèmes nous en main. Chaque monde dit, quartier pas marqué de propre, voix citoyenneté de Marcel, et je dis, sinon à cause, et un pays en Afrique qui a en pile, nous besoin de visiter avec avancement li, c'est Rwanda. Récemment, moi, sorti au Sénégal, là, entré au Sénégal, où est son pays qui en voie de développement. Et tous les Sénégalais, ils mettent l'eau ensemble pour rendre le Sénégal capable de sortir côté lié. Et parce que chaque Haïtien, on connaît dans un moment, situation capable difficile. On connaît dans un moment, nous qu'a dit, Haïti, c'est pas meilleur côté pour nous-mêmes, pour nous rester. Et ma fille, avec même fois, je me dis, pour ne pas choisir le pays où vous faites. Si vous faites dans un pays, ils sont bien déterminés. Et vous faites dans un pays, c'est parce qu'on peut jeune changement pays. Pour faire tenir est-ce qui a changé? Je ne vais jamais dire oui, je ne vais jamais dire non. Même toujours dit, est-ce que vous-même vous voulez changer? Si vous voulez changer, c'est poser action qui vous-même vous devez poser aujourd'hui. C'est même avec Yannick qui a posé action ça. C'est même avec Foucault qui a posé action ça. C'est même avec Kenny Dorvilus qui a posé action ça. C'est même avec Israël qui a posé action ça. C'est même avec plusieurs autres qui ont posé des bonnes actions. Et sinon, tout qui a posé une action, ou après Haïti a sorti dans sa liste. On fait appel avec tout Haïtien dans une prise de conscience. Nous entendons déjà. Et nous ne pouvons pas répéter. Nous avons un problème. Pour nous dire, sans pays à aller là, il va pas aller comme ça. Pour nous mettre les mains entre nous, entre frères avec sœurs, pour nous agir en conséquence, tout ce qu'a fait pour le pays à faire, tout ce qu'a fait pour nos prochains faire, tout ce qu'a fait, même avec Néhémie, qui sont de marche qu'on a fait pour le pays avant l'école, qui sont de marche qu'on a fait pour l'hôpital, qui sont de marche qu'on a fait pour permettre que des inventions qui fait fait. Si que c'est dans le poste politique qui est au calé pour aider les pays à faire, chaque Haïtien fait ça ou de faire et on fait ça ou de faire. Ah, prophète Dorvilus Kenny, merci en pile, merci, message très réconfortant et m'rete quoi. Et auditoire, chaque grand monde qui a attendu, il y aura la nécessité pour partager les vidéos, pour partager les messages, parce que nous besoin messages, nous besoin d'entendre messages dans bouche jeune, parce que nous toutes, en pile fois, on a dit grand monde a échoué, grand monde a pas réglé rien, mais je dis laissez la jeunesse qui décide pour intégrer, pour impliquer dans le secteur d'activité, pour prendre responsabilité. Chapeau pour vous, continuer dans la ligne, continuer avec même énergie de positivité, même fougue. Et je me crois que le travail l'a grandement récompensé. C'est un plaisir pour me accueillir dans l'espace libre opinion. Prophète Dorvilus Kenny. Moi, merci en pile, j'espère bien l'autre occasion pour nous continuer à parler, pour nous continuer à débattre pour société, pour pays. Merci en pile pour participation, merci en pile pour disponibilité, prophète Dorvilus. Merci beaucoup, Yannick, à la prochaine. Merci, bye bye. Bon. Et pas vraiment grand chose pour m'ajouter, parce que nous tapons suivre émission, nous tapons suivre débat. C'est très enrichissant, c'est très enrichissant. Et bon, bah, qui est extrêmement important que le prophète Dorvilus Kenny lui dit que moi-même souligner le marquer et il y a un pile chrétien, il y a un pile haïtien vraiment je dis en là, j'ai l'impression c'est ça seulement yo fait. C'est ça seulement yo fait, yo oublié si yo c'est haïtien, yo oublié si yo gagne responsabilité vis-à-vis et de pays vis-à-vis de société. Qui ça prophète là te dit qui attire attention, qui captive. En pile chrétien, yo rete, yo chita, y a honoré père patrie Israël là. Et pourtant, yo oublié père patrie pa yo. Yo oublié si nous avons histoire, yo oublié si nous avons ancêtres, yo oublié si nous avons pays, yo oublié toute bagaille. Yo seulement suivre à la lettre qui sa Bible dit, y a honoré toute sa Bible dit, y a pratiqué toute sa Bible dit, mais oublié l'autre aspect, hein? Yo détourné au de l'autre aspect, hein? Côté que en tant qu'haïtien, en tant que moun, ou fait nos pays ou grandit dans le pays, ou c'est citoyen au pays, ça va automatiquement des droits, des devoirs et des obligations vis-à-vis de communauté où vivre là. Le fait que vous soyez chrétien, ça ne veut pas dire pour autant ou pas haïtien, ou pas vivre Ou pas de vivre aspect politique là, ou pas de vivre aspect social là. C'est comme si on vivait en Haïti, mais on vivait dans un pays, on attend l'homme mourir pour aller vivre dans le ciel, pour aller ressusciter, pour aller continuer à vivre dans le ciel, non. Pendant à vivre dans petit bout de pays ça, pendant à vivre sous terre, j'ai beaucoup fait, mon beaucoup traverser, en vérité, ou doit payer courant, ou doit payer taxes, ou doit payer impôts. Tout ça qui marchait avec qualité haïtienne, on doit suivre. Même gens à l'église, ou paye offrande. Même gens chaque mois, ou paye dîme. Gardez pour ouais contact la caïwa, est-ce que c'est EDH ou paye, ou bien est-ce que c'est prise ou paye. Gardez pour ouais bloc la caïwa, est-ce que vous paye dîner pas, ou bien est-ce que son prisier. Gardez pour est-ce que vous assumez responsabilité ou comme citoyen. Est-ce qu'on assume responsabilité ou comme haïtien. Parce que ça y est tout, l'homme qui a avec obligation ça y est, ou fait corruption, fait fraude, son péché lié. C'est pas l'homme fait adultère non, ou fait péché seulement. Et pas l'homme fait fornication, ou fait péché seulement. Et pas l'homme qui a non joué à zabolette, etc. Et pas seul laisse on fait péché. L'homme qui a obligation en tant que citoyen, mérite quoi son péché lié. Donc on pas faire un résumé de intervention prophète Dorvilus parce que vous avez de tout bagaille, mais il est extrêmement important journée aujourd'hui pour qu'on est en tant que citoyen haïtien, en tant que chrétien protestant ou gagne responsabilité, pas dire ou pas dans question politique, pas dire ça fait pays, ça fait cabri, pas ça fait mouton, pas dire ça qu'a passé en dedans pays, il pas concerné ou. Insécurité en concerne nous toutes, c'est nous toutes qui pas qu'à sortir. C'est nous toutes qui pas calva qui activité nous, c'est nous toutes qui a pression la rue, c'est nous toutes qui a victime, c'est nous toutes journée je dis qui vivent dans stress, dépression, vle pote nous aller. Donc ou gen mon pour dire pas chita quitter, y a zombifio, leader religieux, chef religieux y a zombifio, yo fort qu'on est ou gen seulement obligation vis-à-vis et de bon Dieu, vis-à-vis de sa Bible en prescrit etc. ou doit oublier tête ou doit oublier non. Ou doit changer toute bagaille. M'a rappelé ou est travail ça son travail haïtien lié. M'a fait travail là c'est pas seulement pour moi. M'a fait travail là pour chaque grain haïtien sans distinction. Là pas de discrimination, race, l'argent, couleur, non pas de bagaille comme ça. N'a font bataille pour l'autre pays, n'a font bataille pour l'autre société qui ka mener en l'autre pays. Et c'est tout intérêt espace libre opinion. Côté chaque grain haïtien conséquent qui vient parler, chaque monde qui croit le message, li ka véhiculer, le capoter, micro ouvri pour lui. Pas de question, monsieur alien tel, monsieur partisan tel, m'pap tande tel, m'pap tande tel. Peut-être que dans une époque, nous te fini par comprendre que gen moun lò chita wap tande yo c'est quoi ya forfait. Mais ou finalement pral comprendre que même moun sa yo qui a forfait coréa. Si yon faut attendre ou pas tirer rien de positif de concret dans lui, c'est parce que moun sa pa gagner pour l'offrir. Et ou pral fini ou même qui chita tap garder l'opti on bagay de positif parce qu'on pral wè nécessité, moun sa qui t'a fort perdu temps là. Ou pas prêté à perdre du temps avec mais ou même qu'on yon pral prendre bonne décision pour changer bagay yo. Sou ka remplacer le pour remplacer le, si son l'autre ou pas encourager pour venir remplacer le pour remplacer parce que côté pays arrivé là nous pas ka nan perdre du temps encore. Nous pas ka nan perdre du temps encore. C'est mettre sous table ça nous gen dans tête nous. Si c'est pour moun k'ap chita sous table, tout temps moun a tout moun chita sous même table. Yo chita sous table, parler pays, parler politique, faire débat, chercher consensus, chercher entente etc. Mais problème pays pas jamais résoudre. Parce que tout le monde sa qui chita sous table, c'est intérêt par eux à défendre. C'est ça qui fait extrêmement important. Ou même, ou une proposition, ou même, ou gagne des sorties de crise, ou même, ou gagne expertise dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, vignez avec yo. Dans l'espace libre opinion, on a fait débat sur yo, on a présenté, on a analysé, on a commenté, on a opiné sur yo. Parce que on a fait un travail pays. C'est ça qui fait extrêmement important. Pour encourager le travail là. C'est pas mon pralindou comment pour encourager le travail là. Et puis gros façon qu'encourager le travail là, c'est partager vidéo. Parce que nous pas qu'à recevoir des invités qui gagnent pareil discours rassembleur, qui a calé genou, qui a dézombifié nous. Et puis pour travail ça, on t'arrêter inaperçu jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. Ça qu'arrive au pas qu'à parler, ça qu'arrive au peur parler, moi-même m'a parlé pour. Si m'a parlé pour vous, encouragez-moi continuer. Encouragez-moi kembe, encouragez-moi pour travailler à l'avancer, partagez vidéo. Alors sur une grosse plateforme, tout haïtien connecté, de pour l'or c'est haïtien. Donc ça qu'a passé dans le pays, il interpellé, ça qu'a passé dans la société, il concerne. Insécurité elle touche nous toutes. Donc encouragez travail là. Encouragez travail là, partagez vidéo, sous pourquoi abonner à la chaîne là. M'invite à abonner, activer la cloche notification. Comme ça, vous prêtez connecter avec nous ou pas rater aucune non vidéo n'a gagné pour nous poster. M'a rappelé ou des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là, même voir rien pas changer, c'est toujours un plaisir pour me servir, c'est toujours un plaisir pour me là avec vous. Rendez-vous à le casser demain dans même l'heure pour l'autre émission. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial, entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial, et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial, sorti le lundi pour y faire vendredi, de chez Chanel par là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous pral faire débat, c'est toujours même Yannick, même voix.